Hey, bienvenue tout le monde, c'est Niorx, votre youtubeur à succès préféré. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SNK France. En vrai, il y a pas mal de gens alors qu'il est presque minuit, c'est juste une dinguerie. Alors bon, j'ai spawné juste ici, donc à l'entrée où il y a le camp d'entraînement. Et on va pouvoir rentrer donc pour passer soldat. Alors, putain, il y a des gens partout. Hein. En vrai, je pense pas que les joueurs savent que je suis Niorx. Bon, sûrement après cette vidéo, ils vont le voir. Hein. Ça va être un peu foutu, mais bon, voilà. Du coup, qu'on a Keshardis juste ici. Donc là, on a Kate Keshardis, nouvelle recrue. Hop, let's go. Bonjour à toi, je suis Keshardis, l'instructeur en chef des SNK France. Pour devenir soldat, tu vas devoir réaliser mes différents objectifs afin de devenir soldat. Es-tu prêt? On va dire, hop, oui. Bon, très bien. Déjà, commençons par manger. J'ai très faim et envie de viande, donc pars à la recherche d'animaux afin de me rapporter 15 steaks de bœuf cuit. J'en ai vraiment... Ok, on va aller chercher ça. Alors là, je sais qu'il y a un spot de vache juste ici, parce que c'est moi qui l'ai mis en fait. Là, ça va être pas trop compliqué à farmer en vrai. Juste à bolos de vache en boucle et ça devrait être bon. A few moments later. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, je me suis pris un titan sur la gueule. Aïe, aïe, aïe. Alors normalement, voilà, je me suis mis le grade premium que vous pouvez acheter hein, sur la boutique. Du coup, vous avez le slash feed, le slash EC, je crois. Donc c'est assez cool. Le grade est plutôt cool. En tout cas, il coûte pas cher. Je me suis fait défoncer. Donc n'hésitez pas, c'est sur la boutique du serveur. Oh sa mère, j'ai trop peur. Mais qu'est-ce qu'il fout là, le mini titan là? Slash profil, voilà. Donc là, on peut voir nos niveaux, etc. Bon, je suis niveau 1. Premier niveau, en fait, faut juste avoir de l'XP. On va aller chercher. Hop, on va faire cuire notre viande. Hop, c'est bon. Et hop, c'est bon. Ah, c'est délicieux. Merci pour ce bon repas. Bon, maintenant, l'objectif est simple. Tu vois la petite forêt à gauche des maisons? Celle-là. Là-bas, c'est cache des mini-titans. Uniquement 2 mètres environ. Il est donc possible de les éliminer. Il faut que je tue 7 mini-titans. Alors. Bon, en vrai, ça va pas être compliqué. Je sais qu'il y a des spots où, genre, c'est facile de farmer les titans. Voilà. Pourquoi il m'attaque pas? Ah si. Ok, c'est bon. Étant donné que tu es nouveau, je dois te présenter quelqu'un avant que tu puisses devenir un vrai soldat. Rends-toi à Chicantina et parle à RN. Reviens me voir après. Bon, ça les gars, je connais. Donc faut faire slash spawn. Ok, une fois spawn, faut se rendre à la maison d'Eren qui est juste par là-bas, il me semble. Donc on se retrouve une fois là-bas. Ok, je m'approche de sa maison. Bon, je peux vous dire vraiment, en vrai, elle est pas vraiment... Elle est pas du tout cachée. Hein. Hop, elle est juste là. Let's go. On va aller voir. Bim. Ce bonhomme. C'est bon. Bon, il serait temps de t'entraîner un peu. Dans la forêt des arbres géants, une croix de bois y est placée. Donc vas-y en courant et que ça saute. Du coup, slash warps, forêt. Il me semble qu'il faut juste aller tout droit devant là. Et normalement, on devrait avoir... voilà, la croix elle est juste là en vrai. Oh, c'est tellement beau, waouh. Et voilà. Keshardis, super, maintenant, il faut que tu montres tes capacités à aider les gens dans le besoin. Alors, retrouve Eddie, il se trouve pas très loin du camp d'entraînement. Oh putain, je connaissais même pas ces quêtes. Ça, c'est des toutes nouvelles quêtes du coup qui ont été ajoutées par rapport à la bêta. Donc ça, je connais même pas. Hein. C'est même pas moi qui les ai faites, c'est Maxence, donc un modérateur. Eddie. Mais il est où, Eddie, là? Putain, mais Eddie traînerait pas à côté des titans, là. Bonjour, je ne fais que de passer. M'attaque pas, s'il te plaît. Franchement, je trouve ça galère. Je vous dis. Je trouve ça galère. Où il est, le bout? Je suis en train de me dire, est-ce que là-dedans, ça compte comme à côté du camp d'entraînement? Parce que je vous jure que je l'ai toujours pas trouvé. Hein. C'est une dinguerie, mais il est caché où, wesh? Ah, je crois qu'il est par là. Je crois qu'il est par là, parce que dans mes souvenirs, une fois, je m'étais téléporté à des joueurs. Il me semble qu'il est là-dedans, là. Attendez, je vais aller voir. Parce que c'est vrai que j'ai pas du tout cherché par là, en fait. Oh, je crois que c'est lui. Je crois que c'est... C'est moi ou il a un costume de tigre là? Il y a vraiment un costume de tigre. Alors, salut, je suis Eddie et comme tu peux voir, je ne peux pas atteindre ces arbres. Et donc, je ne parviens pas à cueillir des fruits. Alors pour cela, fabrique-moi des échelles, slash axe. Oh putain, bon ben, en vrai, on peut faire slash axe et récupérer ici. D'ailleurs, ça nous donne de l'XP hein, pour le slash profil, les gars, je rappelle. Voilà, comme vous voyez, je gagne de l'XP. Je pense que j'ai assez de bois. Hein. Hop. Bon, en vrai, je vais en faire pas mal. Hein. Voilà, 39, j'en ai large assez. Tiens, bim. Pour finir, rends service à Nora. Elle se trouve à Shiganshina, proche de l'entrée. Elle aura une mission pour toi. Ok, je vais voir Nora. Alors, il me semble que Nora est par là. Derrière la paille, là. Ah non, ça c'est Samantha. Merde. Proche de l'entrée, il a dit. Ah, peut-être qu'elle est dehors. Attendez, je suis en train de me dire. Oh, c'est bon.
Pourquoi elle a un truc de Poudlard? Je suis mort. Allez, let's go. Salut, je m'appelle Nora et je suis en train d'écrire un livre, mais je n'ai plus de plumes. Pour continuer, ramène-moi en 4, s'il te plaît. Ok. Alors là, je pense qu'on va aller à la forêt. Il me semble qu'il y a pas mal de mobs à la forêt. On va aller voir dans la forêt, les gars. Zéro plume. Yes, ça commence bien. Ok, 2 plumes. Allez, maintenant il faut soit 2, soit 1-1. C'est bon. Ok, c'est bon. On repart au spawn. Salut les mecs, comment ça va là, petit temps là? Non, ça va. Putain, je kiffe tellement me balader dans Shiganshina, c'est incroyable. Hop, tiens, ok, Kesha 10, tu t'es très bien débrouillé. Maintenant, on retrouve Professeur Jack afin de tester tes connaissances dans le domaine. Il se trouve au QG du bataillon, alors dépêche-toi, il déteste les personnes. Ok, on va se dépêcher. QG du bataillon, let's go. En vrai, c'est bizarre parce que cette quête, elle nous fait un peu visiter la map, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Alors, maintenant, Professeur Jack, il me semble qu'il traîne là-bas. Hein. Non, ça, c'est Kylian. Ok, il y a Angela. Oui, sûrement dans les bâtiments, en fait. Dans les bâtiments, là, il y a Erwin, là, il y a Levi. Ok, pour l'instant, personne. Je kiffe tellement me balader ici, c'est incroyable. Ok, il est là-haut. Il est là-haut. J'ai vu son pseudo à travers. Hop, le truc. On va pouvoir monter l'escalier. Ok, il est là, Professeur Jack. Hop, voilà. Salut, tu es là pour passer le test des connaissances. Alors commençons directement par la première question. Quel est l'équipement utilisé par nos soldats? L'équipement tridimensionnel. Let's go. Comment s'appelle le caporal en chef du bataillon d'exploration? Caporal chef Livou, caporal chef Levi, caporal chef Edmond. Pro Edmond. Levi, let's go. Qui est la seule personne qui possède le droit de relever le secret des murs? Historiare, Christialen, Ymir. Il me semble que c'est Historia. Hein. Historiare, je trouve ça trop bien. Ok, bah c'est bon alors du coup. Bon, je vois que tu t'es très bien débrouillé au quiz. Reviens me dans Guar, te donne quelque chose. Ok. Let's go, il est là. Le mec, il fait exploser son cheval à côté. Bim, et voilà. Bravo, tu as réussi mes épreuves. Je te fais donc soldat de l'armée de Shiganshina. Quand tu auras atteint une certaine richesse, exécute la commande slash armée. Celle-ci te permet de rejoindre l'un des 3 corps d'armée. Bonne chance. Là, du coup, si j'écris yo. Ok, c'est bon. Je suis enfin soldat, les gars. En vrai, cette vidéo, ça m'aura pas pris longtemps à faire. Donc, franchement, vous pouvez passer soldat assez rapidement. Allez, vous savez quoi, on va aller ouvrir la petite caisse. Donc... hop, slash. On va aller ouvrir cette petite caisse colossale là. En même temps d'ailleurs, on va créer aussi mon clan juste après. Alors, caisse colossale. Hop, elle est là. Let's go. En espérant avoir de la chance. Ah bah, je dois retenter ma chance. Très bien. Let's go. Ok, 2 totems de résurrection. Ça, c'est pas mal. On peut les, on va les mettre dans notre C. Tiens, du coup, je voulais voir parce que normalement, Kishar 10. Donc voilà, on est soldat, du coup je peux prendre le kit soldat, let's go. Donc hop, déjà c'est cool parce que voilà, on peut enfin utiliser l'équipement tridimensionnel et ça je kiffe. Et ensuite du coup on va pouvoir commencer à se faire un petit peu nos premiers sous quoi. Et là du coup les amis, slash clan, hop, on va créer notre petit clan, donc on va l'appeler, voilà, on va l'appeler Skyserve mon clan. On va voir s'il y en a qui ont la ref, hop, créer. Votre clan Skyserve a bien été créé. Et du coup, alors, je voulais savoir, est-ce que j'ai déjà de l'argent? Ou est-ce que j'en ai vraiment zéro? Ah non, j'ai vraiment zéro thune. Hein. J'ai vraiment rien du tout. Si je regarde du coup le slash clan, hop. Ok, alors, bon, il n'y a toujours pas les maisons des squads, hein, je rappelle. En vrai, il y a pas mal de choses, hein. Je peux vous montrer. Il y a le slash clan permission qu'on peut faire. Voilà, qui est juste incroyable. Il y a plein de permissions. En plus, il me semble... les maisons clan ça arrive vraiment bientôt, donc ça c'est plutôt cool. Bon du coup les amis, c'est là que va s'arrêter notre petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu les gars. Franchement moi ça m'a fait plaisir hein, de pouvoir recorder cette vidéo. Franchement c'est juste un kiff en fait de pouvoir jouer enfin sur SNK France avec des gens sans que ça lag, que le serveur soit fluide quoi. Je vous propose, vous savez quoi, d'aller tuer un petit titan, hop, pour finir cet épisode. Allez, let's go. Ah non, je l'ai pas eu. Aïe 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 aïe. Mais il fait tellement mal. Ça, on va prendre une petite pomme en or. Allez. Oh yes, je l'ai eu. Et du coup, je récupère de la viande de titan. C'est plutôt cool. Vous savez quoi, étant donné que j'ai un peu de ressources sur moi, je vais hop vendre ça. Donc j'en ai 12. Non, j'en ai 14 chez moi, mongol. Hop, et voilà, on a nos 28 premiers dollars. Oui les amis, c'est maintenant qu'on va se quitter pour ce premier épisode. Alors oui, je poste cette série sur ma chaîne short, étant donné que je préfère pas poster de série sur ma chaîne principale, mais que j'avais vraiment envie de vous partager mon aventure sur la SNK France. N'hésitez pas, si vous êtes gentil, à aller sur la boutique du serveur pour nous soutenir. Sur ce, je vous retrouve demain pour un nouveau short. Bye.